Haute-Savoie, chez Nejma, et nous allons faire une journée à Genève. Donc Nejma, elle est en train de faire quoi là? En train de regarder le GPS. Non, je suis en train de regarder moi ce qu'on voit exactement. Elle est en barcadère, je pense. Donc on va prendre la nationale. Comme ça, on n'a pas la vignette à payer. Parce que si on prend l'autoroute, on est obligé d'avoir la vignette. Mais tu sais, tu peux télécharger. Là. Allez, à toutes. Bon, on continue sur la route. Mais là, on ne sait pas si... On pense qu'on est en Suisse. Ouais. Ouais, parce que la route, elle n'est pas comme chez nous. Elle est pas nouée. Ouais. Donc là, on continue. Ils ont pas nous en Suisse, quand même. Enfin, bah oui, c'est ça. Ils nous ont rien dit. Non, c'est même pas... Allez, à plus. Bon, voici le parking souterrain. On va payer le parking 30 euros la journée. C'est un musée, le parking. Parking de riche. Regardez, il y a des affiches. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'on a dans le métro? Ouais. Faut pas payer à la fin. Non, on va payer là-bas. Regarde. Il est joli quand même, ce parking. Ouais. Hein. Bah oui, c'est ce que je fais. C'est pour ça qu'on a bien dit parking de riche. Peut-être que c'est un parking banal pour eux. Et nous, on a tellement l'habitude de la saleté. On va voir la cathédrale Saint-Pierre. Nejma nous a montré ces francs suisses qui sont magnifiques. D'une couleur, d'une toute beauté. Par contre, c'est vrai que c'est cool. Moi, je pense que ça doit être cher de faire des trucs comme ça. De quoi, de faire des trucs de colorés comme ça? Bah oui, je sais pas. C'est l'État qui veille. En plus, c'est juste pour faire joli. Mais l'État, c'est qui? Bah, l'État, c'est nous. Enfin, c'est pas nous, mais c'est là, c'est eux en l'occurrence. Bon, on continue d'avancer dans la vieille ville jusqu'à la cathédrale. On est bientôt arrivés. On continue de marcher, on ne trouve pas la cathédrale. Anissa, elle en veut plus. Elle a demandé s'il n'y avait pas un petit train dans cette ville. Mais si ça se trouve, il y en a, hein, si ça se trouve. Hein. Quand on a passé en bus samedi, c'est bien moyen. Ouais. Cathédrale de Saint-Pierre de Genève. Elle est pas. En fait, quand tu la vois de loin, tu as l'impression qu'elle va être immense. Et en fait, elle est tout plus simple. Elle n'est pas si impressionnante que ça. Donc voilà. Il n'y avait pas de quartier, qu'on appelle les vitraux et tout ça. Il y en avait, mais pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas de. C'est pas une cathédrale. J'aurais pu m'écrire une cathédrale. Ouais, c'était ça. Un... Bon, on continue notre promenade. Une veine comme ça. Non, je pense qu'ils sont des voitures spéciales. On continue notre promenade, à tout à l'heure. De sortir du restaurant où nous avons mangé des pizzas. Et après, je partage.
N'importe quoi. Le drapeau elle ressemble à ta France, ça ressemble. Du coup, c'est vrai, par exemple. Bon, là, on attend. On a pris nos billets pour ce bateau qui vit derrière. On va faire un tour de bateau. Moi, je pense que c'est sur un peu que c'est un peu près. Et donc, on attend patiemment. Nijma, qu'est-ce que tu as pensé de ton petit tour en bateau? C'était bien. Profité, ouais. Une heure, c'est même minimum. Ouais. Anissa, t'es au frais. Qu'est-ce que tu as pensé de ton petit tour en bateau? Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Donc, on est sorti du petit tour en bateau. Donc, ouais, on était au frais, on était assis. Oh, regarde, c'est joli, là. Ouais. Avec l'eau. Donc, on a fait le petit tour de 1 heure. On a payé 18 euros. Après, vous pouvez prendre le grand tour. Le grand tour, c'est 36 euros et il va jusqu'à Lausanne. Voilà. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se promener au jardin. Il s'appelle comment le jardin où on va? Je ne me rappelle plus. Bon, on va aller au jardin qui est à côté de l'embarcadère. Voilà. Ouais. Allez, à toutes. Qu'est-ce que tu as pensé de la ville de Genève? C'était bien. Bien la ville et tout. Ouais. Bah ouais. Tu retourneras? Bah ouais. Ouais. Non. Moi j'ai pas trop. Bon, on est revenu de la ville de Genève. Donc Anissa l'a dit qu'elle trouvait ça bien. Bon, moi j'ai trouvé ça bien, mais c'était propre. Mais c'était. Je sais pas. Non, je filme pas. Non. Je filme moi. Ouais. Non, mais j'ai trouvé ça. Enfin, c'est une ville comme on connaît, c'est une ville comme oui, chez nous. Ça, on n'est pas dépaysé quoi. Ouais, voilà. Donc on n'est pas dépaysé. En fait, c'est. C'est comme si on était chez nous, c'est pareil. Il y a plus de belles voitures au mètre carré. Ouais, je te filme pas. Ouais. Il y a plus de... Ouais, mais sinon... voilà, sans plus. Bon, après, ça vaut pas le coup pour nous d'aller là-bas. Hein. Ah, ouais, financièrement, contre, hein. Financièrement parlant, ça vaut pas le coup. Là-bas, c'est plus cher. Hein. La bouffe... Starbucks, c'est cher. Zorro, ouais, donc... Zorro, ouais. Starbucks. Alors que chez nous, c'est quoi la grande boisson, c'est 6 euros et quelques. Ouais, c'est plus cher. Bon, après, c'est joli, hein. C'est comme Annecy. Pour un après-midi. Voilà, comme Annecy. C'est comme une ville en Savoie ou de Savoie. C'est pareil. Mais bon, voilà, c'est sympa. On s'est bien promené. Il faisait beau. On a fait notre promenade en bateau. Ah merde. On a fait notre promenade. Je regarderai si je te. Hein? Je vais te couper si on nous voit. Mais non, mais juste là. Ah. Je regardais, j'ai vu. Et puis voilà. Allez, à plus. Tchou. Tchou.